Je suis Idrissa Joseph Traoré, un ancien technicien de la radio du Mali et ensuite de la télévision du Mali, l'ORTM. Alors j'y ai passé dans environ 37 ans à l'ORTM, à la radio, et l'ORTM maintenant si tu veux, et que j'ai intégré depuis 1974. Maison des cinéas au Kera Samae, Faso Jobarala, Mali Daraoula. Maison des cinéas, Kobi Fo Faso Jobarala, comme Mali Keleno Kadanayataka Seme Auka. Maison des cinéas au Kera Samae, Faso Jobarala, Mali Daraoula. Olude Nana, ni haklina nyumaye, gairaka fo, ni kera barala baye, ni kera jamala marala baye, wali maike la siniman tourne la baye, kufuita barka sinzi bolo, ni haklina nyumante. Hakili nyumana, jamana daraula, sininye sigila, jamana bauko. Okama, maison de cinéaste Moroko. Kolubu bolo di nyoroma, kado da kelen fe, kabo da kelen fe, boson matke kabo miena. Dugu tigi ude menina, kadugu tanye, jamana tigi de menina, jamana katanye. Pour le cinéma, je me rappelle que moi j'avais commencé à étudier le cinéma depuis la 8e au lycée Prosper, où en plus des matières normales d'enseignement chose, on devrait choisir entre la musique, le chant et la musique, le dessin ou le cinéma. Ça se faisait au lycée Prosper. J'étais que c'était la seule école qui faisait ça et moi j'avais choisi le cinéma là-bas. C'est ainsi que moi depuis la 8e, moi j'avais pris goût pour le cinéma. C'est là-bas où j'ai appris que le cinéma, c'est comme ça. 24 images à la seconde, tant, avec le son qui est synchrone, temps synchrone et tout ça. Le son avec élongation variable, toi, intensité variable et tout ça. C'est comme ça là-bas que j'ai appris le cinéma vraiment. Je n'ai pas bien éduqué mon fils. Il a frappé un vieux. C'est pourquoi il est malade. Je cherche un remède. C'est bien normal, ma fille. Car le devoir d'une mère et de bien soigner son enfant et lui donner une très bonne éducation. C'est compris, ma fille? Oui, mère. Population de Komaba, je n'ai pas bien éduqué mon fils. Il a frappé un vieux. C'est pourquoi il est malade. Je cherche un remède. Je n'ai pas bien éduqué mon fils. Il a frappé un vieux. C'est pourquoi il est malade. Je cherche un remède. Population de Komaba, je n'ai pas bien éduqué mon fils. Il a frappé un vieux. C'est pourquoi il est malade. Je cherche un remède. Je sais que ton enfant souffre de la malédiction des sept canaries. Oui. Je ne pourrais pas donner le remède que je possède. Et pourquoi? Car celui qui ne respecte pas les personnes âgées ne peut pas l'obtenir. Je vous implore, donnez-moi ce remède, sinon mon enfant mourra. Alors, donne 3 coups de ton fouet à ton enfant. Ensuite, tu auras ma réponse. Il est malade. Et tu veux que je le frappe? Si tu ne le frappes pas, alors je vais partir. Si son destin est de mourir, alors il mourra. Et comment veux-tu que je le frappe? Maintenant, tu as dit la vérité. Lève ton bras bien haut et frappe-le au dos. Eh Allah! Les personnes âgées
sont très importantes dans toute société. Elles s'occupent de la distribution équitable des terres. Elles sont dépositaires de la tradition. Comprenez-vous? Oui, je comprends. Mais... Très bien. Les personnes âgées sont consultées pour l'organisation des différentes cérémonies, c'est-à-dire les mariages, les baptêmes, les funérailles et tant d'autres. Sans oublier aussi que ce sont les personnes âgées qui règlent les conflits dans la société. Cela est vrai. Donne le troisième coup. Mère, je t'en prie. Frappe doucement. Que faire? Nous sommes obligés de les obéir. Car c'est la voie de ta santé. C'est bien. Savez-vous qu'au village, rien ne se décide et rien ne s'entreprend sans leur accord. Vous le savez? J'ai compris. J'ai vraiment tort. Les personnes âgées méritent respect. Où est le remède que vous possédez? N'oublie pas surtout un seul mot de tout ce que je viens de dire. Oui. C'est ton remède. Merci. Mais où se trouvent les deux autres remèdes? Je ne sais pas. Population de Komaba, je n'ai pas bien éduqué mon fils. Il a frappé un vieux. C'est pourquoi il est malade. Et mon premier film, Balien, était un film d'un qui n'a pas été connu au Mali, qui s'appelle Mogodakan. Mogodakan, c'est le film d'un Malien qui n'a pas tellement vécu ici. Djambéry Séga Koulibaly. On l'a fait en 3 mois. En Moudinkane, à Kaye. Aukera Samae, Hakili Nyumana, Tchetiri Dumantiboni, Hakili Nyumate. Ala Kumara, Nga Alamaye, Arhamani Mazako, Kouben Tiyoro Yoro, Kulongayela Tiyoro Yoro, Maya Sinsinan Tiyoro Yoro, Kale Alaka Hineti Digini. Et à l'INA, à Paris, pendant les études, on fait toutes les filières. Et me voilà la caméra, ça c'est la caméra film maintenant, ce n'est pas la caméra vidéo que vous avez là maintenant. Ça c'est une caméra film. Voilà, toujours avec eux, Mbaye Boubacar Diarra et moi, avec nos professeurs, dans une salle de doublage de son. Doublage de son, qu'est-ce que c'est? Quand le film est en français, s'il faut le doubler, et si le film vient en anglais, il faut le doubler en français. Je me rappelle qu'un ancien directeur du CNPC m'a dit, Joseph, tu sais, tu es inscrit comme le premier technicien son sur un long métrage malien. J'ai dit, ah bon? Ah oui, il me dit, ah oui, dans l'histoire, tu es le premier technicien son sur un long métrage malien. Oui. Et monsieur Kanté, ton nouveau copain que tu m'as montré l'autre jour, il va bien? Sira ne t'a rien dit? Non. Il a pris la tangente. Il a fui. Comment ça il a fui? J'ai ouvert ses yeux à la lumière. J'ai sorti notre arme secrète. Après lui avoir fait payer la robe et les saucisses pour leur sortie, elle a fait la malade. Ensuite, je lui ai demandé 200 000 francs CFA en urgence. Pour payer une dette. Et Sira, toi aussi, il a raison de disparaître. En tout cas. Mais nous sommes la lumière de Bamako, non? Oui. Belle, charmante. Et nous éclairons tout Bamako. Si tu veux être avec la lumière de Bamako, il faut avoir beaucoup d'argent. C'est ça. Hein? Attendez-moi, j'arrive. Okay. Moi je vous laisse. Ok. À bientôt. Au revoir, ma chérie. Où est ma femme, Fatim? Fatim, ton ancien mari est au top aujourd'hui. Ah non. Pourquoi me fais-tu? Si c'est ça mauvais,
Il faut me le dire. Hé, laisse-la partir. Ah non. Une femme qui a abandonné son mari ne peut pas me donner des ordres ici. Samba, cesse de boire pour ne pas te donner un spectacle. Hein? Ah bon? Est-ce que je bois avec l'argent de ton père ou de ta mère? Femme au pain bas. Je ne permettrai jamais à un ivrogne de me manquer de respect. Je t'en prie, Farma. Taïchi, 20e dame. Ne les frappe pas. Taïchi. Prends cet argent et cesse d'insulter les gens. Sinon, j'appelle la police. La police ne me fait pas peur. La police? Moi, Samba Galadjo. Il n'y a pas peur de la police. Adieu. Je t'en prie. Il faut partir maintenant. C'est vraiment pitoyable. Je reviendrai bientôt. Vadim. Zambayo, à la dégâts. Je l'ai dit à la dégâts, Zambaya. Et on l'avait vu qu'elle est à la Emma Oma Bay, go cinema Kanumbila. Emma Oma Bay, go theatre Kanumbi to Suguna. Kolu Kalano Kablunda Yele Bella Jelendi. Go Bella Jelenkanaki Haklinandi. Go Mina, Goma Kelen Haklinan Seka Fuike. Koniko Ki Kelekuni Taraki Dansera La Kome, Koniko Kangata, Koni Jamakulu Tamarano, Vekoma Buseka no Popola. Au fil des temps, avec. Je suis revenu dans le cinéma malien. Dans le cinéma malien, j'ai tourné avec Djibril Kouyaté, le film Depté. Après, c'était le film Walaha. Walaha, ila walata. Walaha, ila walata. Amio. Nam. Inye benyena, ne shira suro. Ma chère, il faut que je ne me sois pas comme ça. 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 Et après, au niveau du CNPC, j'ai tourné Kokadje avec, c'est pas le réalisateur, là, j'ai oublié son nom, Kokadje. Et avec Suleiman Cissé, j'ai fait Mie Mie. Le film s'appelait Mie Mie. Et c'était avec Amion. Et Sokona Gakou. Et ensuite, il y a la série de Bouakar Sidibé qui est venue. Oui, c'est juste. La famille est le reflet et le noyau de la société. Doumanadia, Sida Oubidia, Sida Manadia. Waduku manadia, jamana bidia, faso biyiriwa, jamana bitanye. Toute bonne société est constituée de bonnes familles. Waduku manadia, jamana bidia, faso bitanye, jamana bidia. Et c'est l'école qui est l'endroit que je cible le plus. Et je crois que c'est les jeunes que nous avons. Peut-être il faut essayer de voir. Jeune homme. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonjour. Salut, vous allez bien? Salut, homme, ça va? Oui, ça va. Nous savons que vous avez une forte influence et que les élèves vous écoutent. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide. Et que devons-nous faire? C'est très simple, jeune homme. Vous devez inciter les élèves à partir en grève. Les élèves du primaire et du fondamental doivent occuper la rue. Le pays doit être carrément ingouvernable. Mais pourquoi devrions-nous faire une telle chose? Nous vous donnerons des bourses d'études pour les meilleures écoles. Américaines, européennes, et nous paierons tous les frais. Accepter votre proposition équivaut à trahir le pays et les autres élèves. Ah non, jeune homme, tu te trompes. Nous sommes des patriotes.
et nous cherchons un meilleur avenir pour les enfants de ce pays. Des patriotes qui veulent rendre le pays ingouvernable. Mais souvent c'est mieux de reculer pour bien avancer. Je vous ai assez écouté, mais je ne reculerai pas avec vous. Je ne vous suivrai pas dans ce jeu. Khalifa, allons-y. Écoutons-les d'abord. Bon, si tu viens pas, moi je m'en vais. Allez-y. Il est impulsif, c'est normal. C'est sa jeunesse. Comment t'appelles-tu, jeune homme ? Je me nomme Khalifa. Khalifa. Oui. Khalifa, tu es le plus intelligent et tu mérites plus. Et sachez que nous voulons que le changement de ce pays. Salif, fais-lui un geste. Tiens, c'est un début. Tu ne regretteras rien. Nous sommes des patriotes. Et ce pays mérite mieux. Et qu'est-ce que je dois faire? Chercher des camarades agitateurs. Vous devez inciter les élèves à partir en grève. C'est la seule chose que nous voulons pour le moment. Et comme tu le sais, et que tout le monde le sait d'ailleurs, pour faire des omelettes, il faut casser des œufs. Nous vous aiderons en cachette. Ok. Hey. C'est conclu. Donc, à nous revoir. Hey. Merci. Hey. Et le roi de Ségou. Ambe foli di kele kete uma Segu dugu ngana mine ngana uma Karata kele mine ba uma Olu de danama. Les rois de Ségou. Une saga sur l'une des civilisations les plus brillantes de la savane soudanienne au XVIIIe siècle. À partir d'aujourd'hui, Blissi n'a plus de pas ici à Ségou. Mesure-tu la gravité de ton acte? Ma colère s'abattra sur vous! Bon, le cinéma malien, je crois que ça peut aller. Si tout le monde avait le même courage que Boubacar Sidibé. Boubacar Sidibé a le courage, il se donne le moyen. Il se donne le moyen, il cherche partout où trouver des financements et tout. Il écrit. Tu vois, c'est bien. Si les autorités pouvaient aider le cinéma, je crois que les gens sont disposés à mettre du sien dedans. Il y a plein d'idées. Seulement, c'est le fond qui manque le plus. Je ne dirais pas le moins, mais le plus. Tu vois, c'est le fond qui manque. Voilà. Glenda, ça va? Oui, je vais bien. Ouais, bien. Ah, Penda, ta beauté et ton charme te magnifient de jour en jour. Merci pour tes compliments. Hein? Mais tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Mais Penda, permets-moi au moins cette fois-ci de t'offrir à boire. Vraiment, merci. Tu sais, j'ai un flot d'enfer pour toi. Ah bon? Yeah. Dis-le voir. Yeah. Écoute mon flow, mon rime. Sexy ladies. Hey. Depuis que j'ai posé mes yeux sur ton visage, ma vie a pris un virage. Yeah. Ton regard me fait planer dans les nuages. Yeah. Mon cœur fait boum 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 pour toi. Sans toi, ça me choque. Chaque fois que je te vois, oh ladies, mon cœur bloc. Yeah. Hey. T'es ma lune, ma plume, t'allume ma vie quand il fait noir. Yeah, accepte-moi, je ferai des flots d'enfer. Yo! Ça déchire, hein? J'ai écouté ton flot d'enfer qui me laisse indifférent. Laisse-moi te dire que ton rap n'est ni dans le temps ni dans le rythme. Laisse le rap au vrai rappeur. Tu n'es qu'un faux MC. Yo! Tiens! Quel clash! Ton flow est vraiment infernal. Infernal ou non, mon cœur vibre pour quelqu'un d'autre. Laisse-moi te dire que tu n'as ni place assise ni place debout. Tu ne peux pas non plus te coucher. Donc reste loin de moi, car mon cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. Yo. Je crois que nous ne sommes pas du même gabarit. Je ferais mieux de te laisser tranquille. C'est mieux pour toi. Je suis fiancée et je vais bientôt me marier.
Wow, wow. Tchia! Non, le cinéma malien, il peut aller, surtout au niveau de la tête du cinéma malien maintenant. C'est des jeunes. Au CNPC, au truc là, au ministère de la Culture, c'est des jeunes. Ça peut aller. Douana Do Sara, ou l'enfant béni, c'est la nouvelle série malienne sur l'ORTM. Dieu veut tester ma foi. Pour me montrer que je ne suis qu'un pauvre mortel. C'est pourquoi il m'a donné un fils qui ne me respecte pas. Dieu veut tester ma foi aussi. Et me montrer que je ne suis qu'un pauvre mortel. Et c'est pourquoi il m'a donné un père qui me gâche la vie. Moi, je crois que le gouvernement, qu'on n'arrête pas de demander, qu'on n'arrête pas de faire de la quête pour faire le cinéma, ce que le Mali mérite, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein d'idées, ça peut aller. Donc, voilà. Les jeunes, il faut qu'ils viennent au cinéma. Il ne s'agit pas seulement de la réalisation. Tout le monde est tenté vers la réalisation, mais il y a les techniques de cinéma qu'il faut choisir. Parce que même s'il y a les idées, si la technique n'y est pas, c'est pas bon. Hein. Les images, ça va, mais le son est le plus difficile là-dedans. La caméra, tu l'ouvres, bon, je ne sais pas, c'est pas pour dénigrer les caméramans, tu l'ouvres, tu fais les trucs, mais le son, c'est vraiment de la technique qu'il faut faire. Il faut que les gens se mettent dedans, les jeunes. Voilà. Kone mafili la ibi ya ngani tununa iye mandi. Olde nanaka na korole unjira ana. Kabuna aramade ya tabolo nyuma sinsimbere nyuma njira auna. Muna aunde wuli katubu uluko. Mezonde sinies mgo. Utabolo efendume. Ka hakili nyuma soro. Ka miria nyuma soro. Ka waleya. Ka nobwala. Otuma aena. Anga dia anga faranyokonka. Anga hakili nyuma soro. Ka miria nyuma soro ka nobwala ka nga seko na nga dongo waleya ukungorota wala sama libabi tanye.